Se faire couper la route par Jean-Louis. Manquer de se faire taper par Micheline. Éviter une vieille meuf de justesse. Te faire doubler sur une piste cyclable par un scooter sauvage. Te faire couper la route par une vieille Prius. Par Hippolyte qui passe son brunch. Par un vieux gars en SUV. Te faire frôler par des Uber. À deux en train de se frotter sur une trottinette. Avec un vélo et en contresens. Le gars qui veut passer aux routes. Quand tu roules en trottinette électrique, le risque aussi c'était semblable. Survivre en trottinette électrique. Il me frôle, double par la droite. Pour finir arrêté au feu rouge. Se faire couper la route par des automobilistes qui pensent être les seuls sur la route et risquer de finir à l'hôpital. Tout ça pour ensuite rester coincé dans les embouteillages, consommer 15 litres au sang, se prendre des amendes et se faire doubler par des piétons. Mes congénères qui ne respectent rien et qui parasitent les autres usagers. Cette maman qui traverse en courant afin de rester en vie et éviter cette trotte sauvage. Même les policiers ont lâché l'affaire face à ces zigotos qui grillent le feu rouge devant eux. Les piétons qui circulent sans pression sur la route et qui t'enverront en prison si tu les touches d'un poil. Les obstacles sur la piste cyclable qui peuvent t'envoyer dans le décor. Le porte-à-faux imprévisible. La voiture dépasse en nous rasant pour finir arrêté au feu rouge quelques mètres après. Mais les trottinettes et les vélos, c'est pas mieux. Les gars qui frottent leurs meufs en trottes. Rouler au calme sur un passage piéton. Tu te décides à adopter le vélo et du jour au lendemain, tu vas circuler parmi une centaine de gens qui débutent comme toi. Tu vas être confronté à l'incohérence des pistes cyclables, à l'incivilité des gens, la survie quoi. Et vu à quelle vitesse où l'offre des transports publics se dégrade, on sera plus nombreux. Avant d'éradiquer la voiture, il faudrait déjà avoir des alternatives correctes. La fin de la voiture individuelle dans les grandes villes, elle fait débat. Like et abonne-toi si t'as aimé la vidéo.